Nous accueillons Katie Stewart pour une conférence intitulée « Voulez-vous redémarrer ?» C'est l'histoire de la résurrection d'un bout de texte abandonné en 2006 et mené, 13 ans après, étape par étape, à l'état de nouvelle, publiable et publiée. À toi, Katie. Bonjour, alors vous avez assisté à un faux départ et c'est exactement ce qu'il me fallait pour illustrer mon propos parce que l'histoire de ce texte, c'est l'histoire d'un faux départ. Donc, cette présentation permet de répondre à plusieurs questions sur l'écriture. Première question, combien de temps ça met pour écrire un texte? Donc, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vraie réponse. Parce que pour moi, l'écriture, c'est un regard qu'on pose sur le monde, c'est une façon d'être. Donc, toutes nos années de vie participent à l'écriture. Combien de temps? C'est aussi parler des étapes. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il suffit de se mettre devant une feuille, d'écrire un texte, se mettre devant son ordinateur, envoyer à l'éditeur et hop, quelques temps après, on a le texte terminé. C'est pas comme ça. C'est du travail. En tout cas, pour moi, l'écriture, c'est du travail, du retravail et du re-retravail. Donc tout ça, je vais vous le montrer. Tout d'abord, les idées. Donc comment on a une idée? Alors moi, c'est tout le temps, hein, donc je pas de panne d'idées du tout. Une situation observée, un petit pas de côté par rapport à quelque chose de vécu, une scène qui va me venir spontanément d'un texte, et c'est parti. Alors généralement, ce que je fais, ma première étape ici, c'est je note ça dans un carnet. Donc ici, je vous ai scanné une page de ce carnet. J'ai toujours un carnet sur moi. Oui. Donc un carnet qui m'accompagne. Donc j'en ai toujours au moins un dans mon sac. Qui me permet d'écrire ce qui vient, qui me permet de ne pas oublier, ce qui me paraît une très bonne idée. Alors, j'ai des carnets pleins de choses qui ne deviendront jamais des textes. Là, ce que vous avez, c'est devenu un texte, puisqu'il s'agit des éléments du texte Losaperidol, qui sera en septembre dans l'anthologie de la Volte sur la santé. Moi qui connais le texte terminé, je peux vous dire que l'ensemble des éléments importants du texte apparaît déjà dans le carnet au moment où l'idée apparaît, au moment où je la travaille. Quand je suis installée chez moi, tranquillement, sur les tables basses que vous voyez là et le canapé que vous voyez derrière, je vais prendre un format un peu plus large que le carnet, ça va être des feuilles A4. Souvent de couleurs, mais ça marche aussi avec du blanc. Et en général, après une première page où je vais noter en vrac les idées qui me viennent, je ne connais pas encore mon histoire, je sais ce que j'ai envie d'explorer, mais je me lance. Je me lance et j'écris une première page, une deuxième, une troisième. Ici, je pense qu'on est allé jusqu'à 8 pages pour ce texte qui est devenu mon texte sur les robots. Que j'ai livré en avril pour Flatland. Donc voilà, ce sont des vraies choses que je vous montre. Parfois, c'est un petit peu plus anarchique. Là, ce que vous voyez, c'est le dos d'une enveloppe. Donc, enveloppe qui était dans mon sac un jour lors d'une conférence que j'écoutais d'une seule oreille. Et j'ai fait des schémas. Donc, c'est pas souvent que j'ai des schémas pour mes textes, mais ce schéma, c'est le tout début du texte que j'ai mis en ligne sur ma page Facebook « Lire Katie Stewart ». 6 faces d'un même cube, et donc on voit bien le cube, et on voit tout un tas de calculs dont il restera très peu de traces dans le texte, mais c'est l'essentiel du texte. Alors ce texte était quand même très particulier, je pense que je l'ai travaillé à des moments toujours inattendus, c'est toujours le même texte. Donc, ce que je fais quand je pense avoir une idée importante pour un texte, souvent, je prends une petite feuille de papier comme ceci pour ne pas oublier mon idée. Puis, parfois, je suis dépassée par ce que j'avais décidé de faire. Et donc, j'en prends une deuxième, une troisième, une quatrième. Et là, j'étais quand même obligée de jouer avec le scotch pour avoir tout un bandeau parce que c'est une scène entière qui m'est venue,
qui s'est présenté. Alors, quand je dis ce qui s'est présenté, c'est pas magique, hein. Je veux dire, on réfléchit, ça se passe dans le cerveau, de manière consciente ou inconsciente. Mais en tout cas, voilà, j'ai été un petit peu emportée dans mon élan. Et quand, au moment où je vais retravailler sur ordinateur, il se peut que je me retrouve avec un petit bout de texte dans le carnet, un petit bout sur des feuilles, un petit bout sur des petites choses comme ça. Mais c'est pas grave, c'est foisonnant. C'est pas très ordonné, mais c'est foisonnant. Plus rarement, j'écris directement sur PC. Alors ça va être plutôt pour des travaux universitaires et des choses qui ne me demandent pas d'être connectée avec mes émotions. Donc c'est quand même plus froid. Il y a une distance quand j'écris directement sur ordinateur. Donc là, par exemple, juste pour faire une petite démonstration, je parle du futur du harcèlement de rue, qui est un thème qu'on pourrait explorer, et qui est en partie exploré dans le texte qui s'appelle Échelon. Échelon. Alors, Échelon, c'est le nom que j'avais donné à mon texte. Donc voici les informations. Donc ça, c'est ce que j'ai retrouvé en faisant un peu d'archéologie dans mon ordinateur. Je te laisse regarder. 2006. Il est possible que le texte soit plus ancien puisque j'ai changé d'ordinateur, j'ai déménagé plusieurs fois entre-temps. Mais on peut affirmer en tout cas que le texte est plus ancien que novembre 2006. Donc novembre 2006, je n'ai évidemment pas retrouvé les brouillons qui correspondent à ce texte-là, mais j'ai retrouvé le fichier de l'époque et qui fait 2 pages. Je vous en lire juste un petit bout. Un petit instant. Donc voilà, je vous lis un petit bout de ce texte qui donne une ambiance qui m'avait paru suffisamment intéressante pour partager avec vous. Je suis sombre comme jamais, ou comme souvent, ce qui revient au même. Revêtue d'un long manteau assorti à mon humeur, je quitte ma chambre d'hôtel pour aller me ravitailler. J'avais opté pour un hôtel à l'ancienne, dans une ville à peine câblée, en oubliant que dans ce genre d'établissement, plus onéreux que les hôtels modernes, tous les services supplémentaires, y compris la bouteille de whisky, sont encore payables en archaïque monnaie de papier. Faute de lecteur adapté, mes crédits pouces illimités ne valent rien. Ça commence bien pour l'inspiration. Donc ce petit paragraphe donne déjà une ambiance de pénombre, de mystère, bon, de whisky aussi, mais ça, voilà. Quand on s'appelle Steward, on a le droit. Et j'avais trouvé donc cette ambiance suffisamment intéressante pour écrire ce texte. Un texte qui ne faisait que 2 pages en réalité. Et ce qui peut arriver de temps en temps, c'est que on est lancé. Voilà, on est à fond, on a son personnage, donc une jeune femme. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la partie harcèlement de rue, puisqu'elle est appelée mademoiselle. On ne sait pas à quelle époque ça se passe, mais on connaît tous ce genre d'interpellation. Et donc, on est lancé, et à un moment, ça s'arrête. Ça s'arrête parce qu'on ne sait, on sait pas ce qu'on a envie de faire vivre dans cet univers. Et donc, en 2006, ou plutôt, j'ai arrêté et le texte est resté là. Jusqu'à ce qu'arrive en 2018 la commande. Donc, une personne inconnue me demande une contribution pour une revue qui m'était jusque-là inconnue. Alors, ça, ce genre d'événement dans une carrière d'écrivaine, c'est absolument génial. Les commandes pour les gens qu'on connaît, les copains du milieu de la science-fiction, tout ça, c'est presque normal. Mais à partir du moment où on est trouvé par quelqu'un de l'extérieur qui vous passe une commande, là, on se dit, c'est professionnel, on va avoir une attente un peu particulière et on a envie d'y répondre. Donc, une commande assez longue, très détaillée.
que je lis et je me rends compte qu'il manque des éléments. On me demande un texte de science-fiction qui remette en question l'ordre des choses et l'ordre social. Donc tout ça, c'est dans mes cordes. C'est le genre de choses que j'écris assez régulièrement. Je n'ai pas d'informations sur la taille de texte demandé. Je n'ai pas d'informations sur la rémunération éventuelle. Et je n'ai pas non plus d'informations sur le moment où je vais pouvoir rendre le texte, où je vais devoir rendre le texte. C'est devenu plus simple pour moi d'aborder ces sujets, mais il y a un moment où on est gêné parce que c'est très sale de parler d'argent. Quand on parle d'art, on ne parle pas d'argent, c'est autre chose. Donc j'ai posé la question et j'ai eu la réponse. Donc on était en décembre, 8 décembre, et j'apprends qu'il va me falloir écrire une nouvelle de science-fiction de 20 000 signes, au plus tard pour mi-janvier. Et si je rends mon texte pour le 9 janvier, je peux avoir une traduction en anglais. Le calcul, il est vite fait, un mois. Décembre 2012, non. Décembre 2018, j'étais très occupée. Je travaillais à temps plein dans mon lycée où je suis conseillère principale d'éducation. C'est pas décembre, c'est pas la période la plus simple pour ce métier. J'étais à temps plein parce que après, j'allais partir en stage de psychologie et je venais d'apprendre que le stage prévu n'allait pas se faire. Donc j'étais en pleine recherche de stage, en plein rush au travail et j'apprends que dans un mois, il va falloir rendre une nouvelle de 20 000 signes. Alors ce qui m'a motivée, c'est qu'on m'a proposé 800 euros pour faire cette nouvelle de 20 000 signes. C'est un petit peu motivant. Donc, je cherche dans mes fichiers en cours, j'ai toujours une cinquantaine de textes commencés et pas terminés, et je retrouve ce texte que vous avez vu tout à l'heure, Échelon, et je trouve que l'ambiance me parle encore, je trouve que le personnage me parle encore, et je trouve qu'il y a quelque chose à en faire, je retrouve des germes de cette remise en cause de l'ordre social. J'y vais, je fonce, je m'engage. Et voilà, j'annonce que je vais rendre mon texte pour mi-janvier. Alors, ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, je suis quelqu'un qui respecte les délais et qui fait ce qu'il faut pour respecter les délais, même quand c'est quelque chose d'un peu acrobatique comme là. Donc, première chose que je vais faire, c'est reprendre mon texte, l'imprimer. Et faire ce que j'appelle le charcutage. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Mes deux pages griffonnées, des chapitres entiers enlevés. Alors, sur quels critères j'enlève? Évidemment, c'est si ça me parle encore, c'est si ça m'intéresse encore, et si c'est pas trop grossier, comme cette comparaison qui m'amuse encore un peu, mais 2006, j'ai dû trouver ça génial, de parler de s'abîmer les yeux, de les éplucher comme on fait des œufs durs. C'est magnifique, mais en fait, c'est trop. Donc, j'enlève, je complète. À la fin, il reste pas grand-chose en réalité. Il reste des éléments que je vais souligner et qui vont me servir à travailler mon texte, à le compléter et à en faire quelque chose qui soit valable et qui soit publiable. Alors tout ça, je le fais le soir en rentrant du travail, ce qui veut dire aussi de se donner du temps pour être dans le bon état d'esprit pour écrire et pour développer son histoire. À la même période, je commençais à travailler sur ma fiction radio qui s'appelle Le Génie grandit. Et j'en avais enlevé un morceau que j'aimais bien. Mais qui n'apportait rien à cette fiction. J'étais contente d'avoir écrit ce passage. Mais voilà, ça n'allait pas. Donc ce morceau, au lieu de le jeter, je l'avais gardé de côté. Donc c'est ce petit morceau-là sur la nuit, dont l'ambiance collait parfaitement
avec l'ambiance de ce que j'avais déjà écrit échelon. Donc je garde de côté. En passant, je corrige un peu parce que je ne peux pas m'empêcher de corriger. Je renote toutes mes modifications sur mon ordinateur. Et une fois que c'est fait, de nouveau, j'imprime. Alors, je vous préviens, je passe mon temps à imprimer. J'ai investi dans une imprimante laser en noir et blanc pour pouvoir le faire de manière économique et écologique aussi, puisque généralement, je réutilise les deux faces toujours. Mais j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin du contact papier et j'ai besoin du contact stylo. Donc là, ce qu'on voit ici à l'image, c'est une réflexion, une première réflexion sur le titre. Un titre qui donne quelque chose de l'ambiance alors que le texte n'est pas tout à fait fini. Une grande décision est prise aussi, c'est de faire que ces fameuses deux pages de départ ne soient qu'une partie du texte. Évidemment, en passant, je vais corriger, encore corriger, enlever des lourdeurs. Pour moi, corriger, c'est surtout enlever. Enlever ce qu'il y a de trop, enlever ce qui ne me permet pas d'aller droit au but et avec le mot le plus précis. Donc, je vous laisse regarder, on passe rapidement. Des ajouts, quelques-uns. Et une fois que les corrections sont faites, c'est-à-dire une lecture qui va avec, eh bien, on va continuer à créer. On va créer, on va intégrer le petit passage là de la nuit, petite correction en passant, et se dire que c'est intéressant d'avoir des encarts comme ça et d'en faire d'autres. Donc j'en fais un sur l'alcool, ce que c'est devenu l'alcool, ce que c'est devenu la nuit à l'époque qui m'intéresse, époque qui n'est pas encore fixée, mais ceux qui connaissent un peu mon travail, on est toujours un pas trop loin de 2050-2060. Donc j'y vais assez facilement dans ces époques-là parce qu'on n'est pas trop loin d'aujourd'hui, mais on a la possibilité de mettre des choses différentes. Donc j'insère une deuxième partie, Parano IA, qui me permet d'introduire le rapport de cet personnage de départ, qui n'a pas de nom, qui n'en aura jamais, je pense, son rapport avec ces intelligences artificielles qui l'aident. À chaque fois que je recopie ce que j'ai écrit sur ordinateur, je corrige encore et encore, et ensuite j'imprime. Et sur ce qui est imprimé, je continue à créer, donc ici sur une page blanche. Donc je ne vous ai pas tout scanné, mais ça va jusqu'à 8 pages pour cette étape-là. Comme à chaque fois, je reporte mes corrections, je reporte mes ajouts, j'imprime et je corrige. Ça, c'est vraiment les étapes que je n'économise pas. Je pense que plus on aura de relecture, plus le texte va ressembler à quelque chose de fin, de travaillé. Alors, quand j'ai beaucoup de temps, je laisse reposer 2, 3 jours avant d'y retoucher. Mais quand j'ai pas le temps, ben, il faut que ça soit fait. En fait, moins j'ai de temps, plus il va y avoir d'étapes. Donc, on retrouve le texte, on a toujours notre question de titre. On ne sait toujours pas quoi faire avec ce titre. Là, on retrouve le passage sur la nuit, qui n'a plus de titre, lui. Petite correction en passant, parce qu'il y a toujours des petites corrections en passant. Mais de moins en moins. De moins en moins, on se replonge dans le texte. On va encore supprimer des choses trop lourdes. Le passage sur l'alcool qu'on retrouve. La deuxième partie. Et encore quelques autres parties qui se rajoutent et qui viennent construire mon monde et introduire des personnages. Une fois que j'ai remis sur ordinateur tout ce que j'avais écrit, je sais que je vais continuer au stylo et reprendre les pages. Ici, on va jusqu'à 12 pages manuscrites et ça va être l'essentiel du travail de construction pour ce texte. Donc, une fois qu'on arrive
à la fin du texte. Donc, ça donnera un texte qui va faire 9 pages, donc avec ce format que vous avez vu. On se dit, bon, c'est construit, l'histoire, elle est complète, on a un début, un milieu, une fin, on a des enjeux. Eh bien, c'est pas fini. C'est pas fini. Toujours des doutes sur le titre. Et là, ce que vous voyez, c'est une double lecture, une double relecture. Je suis passée 2 fois sur ce texte, une fois en rouge, une fois en vert, pour recorriger, encore enlever des lourdeurs, encore enlever des passages trop lourds, encore modifier des petites choses, un verre, un écran, essayer d'apporter quelque chose qui soit plus science-fictif sans devenir cryptique. Donc, je passe rapidement aussi, mais enfin, juste pour vous montrer quand même le genre de correction qu'on a envie de faire à ce stade-là. Je n'ai pas peur de barrer. Je n'ai pas peur de barrer. Alors, il y a très peu de personnes qui me demandent des relectures sur leur texte parce que je fais pareil et que ça peut être cruel de voir son texte charcuté de cette manière. Donc, une lecture verte et une lecture rouge qui ne voit pas la même chose et qui ne se pose pas les mêmes questions. Une fois tout ça corrigé et reporté sur écran, ça n'est pas fini, car je vais avoir besoin de faire cette étape qui pour moi est très très importante, qui est la lecture à haute voix. J'ai besoin que mes textes sonnent, j'aime la musique, j'ai fait du chant, j'ai fait de la poésie. Pour moi, c'est important que les textes sonnent et qu'ils aient une harmonie, un rythme qui, à ce moment-là, n'a rien à voir avec uniquement le sens du texte. À cette étape-là, je préfère parfois appauvrir le sens technique du texte pour gagner en rythme, pour avoir quelque chose qui se lise à haute voix. Et donc, pendant la lecture à haute voix, évidemment, donc toujours une hésitation sur le titre. Donc pendant cette lecture à haute voix, je vais encore apporter des corrections, mais qui seront esthétiques et sonores. Un peu de précision quand même. Ajouter, enlever, toujours pour l'idée étant d'améliorer le texte. Hein, c'est quand même le but de faire un texte qui me semble à moi meilleur, plus agréable, qui me permettent de passer d'une page à l'autre sans avoir l'impression que c'est poussif. Alors ici, c'est penché parce que voilà, j'ai imprimé penché, donc je ne pouvais pas le scanner autrement que penché. Mais voilà, des choses un peu vraiment esthétiques. On va passer l'adjectif avant et affirmer des choses plutôt que dire « il semble que » et introduire du doute. Donc, la version finale, comme je vous disais, elle fait 9 pages. Donc, sur ces 9 pages, relecture à haute voix qui va modifier des choses. Alors, enfin, à un moment, on s'arrête. Parce que je pense que je pourrais retravailler un texte 50 fois. J'ai appris à m'arrêter. J'ai appris à voir le moment où toute modification supplémentaire serait de trop. Avoir le moment où ça ne change pas grand-chose et où pour moi le texte est terminé. Donc cette étape-là, moi je l'appelle la version finale autrice parce que la version finale autrice n'a pas toujours à voir avec la version finale. À ce moment-là vont être introduites d'autres personnes. Alors, je vois passer souvent des conseils aux auteurs, ayez des bêta-lecteurs, testez vos textes, etc. Alors, moi, c'est quelque chose que je fais assez peu. Il m'est arrivé de donner à lire des textes à des amis, écrivains ou pas, pour savoir si ça fonctionne, si ce que j'ai voulu dire se retrouve de manière plus ou moins exacte dans ce qui est écrit. Mais je pense qu'avec la bouteille, on peut se passer parfois, pour des textes pas trop audacieux de cette étape. En tout cas, moi, je m'en passe.
Je m'en passe, mais ce dont je ne me passe pas, surtout quand j'ai très peu de temps et que j'ai besoin d'en gagner, c'est la lecture par un professionnel qui n'est pas celui qui m'a fait la commande. Alors moi, j'ai de la chance de pouvoir travailler avec Patrick Dechesne, pour ceux qui le connaissent, il était éditeur aux éditions de l'Instant. J'investis, puisque quand il travaille sur un texte, eh bien, je le paye pour ce travail professionnel qu'il me fait sur mon texte. Et c'est précieux parce que c'est quelqu'un qui peut avoir la bonne posture. Prenons un exemple, je prends mon texte, je le passe à une amie qui aime bien ce que je fais en général et qui a envie de découvrir mon nouveau texte. Ce qu'elle va me faire comme retour, ça va être des retours de lecteur. Elle ne verra pas nécessairement en quoi mon texte peut être amélioré et elle va se retrouver, qu'elle soit écrivaine ou qu'elle ait envie de l'être, ça va être compliqué d'avoir la bonne posture. De ne pas se dire ben, c'est très bien, donc il n'y a rien à faire, ou de se dire ah ben moi, une histoire comme ça avec quelqu'un qui porte un manteau noir, moi j'en aurais fait une histoire de vampire. J'ai eu de ce genre de retour de personnes qui s'impliquent tellement qu'elles me poussent sur le côté pour pouvoir prendre ma place d'autrice et faire leur texte. Alors que les questions que je pose, quand je donne une lecture comme ça, ce sont des questions très précises. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a envie, quand on a commencé, est-ce qu'on a envie de continuer? Est-ce que il n'y a pas des expressions qui sonnent bizarrement? Et avoir recours à une personne qui est professionnelle et qui n'est pas nécessairement écrivaine, parce que parfois, bah, il y a des égos qui font qu'on s'approprie le texte de l'autre. Donc avoir cette chance, ça permet d'avoir des commentaires. Pas toujours agréable à recevoir, surtout que quand j'ai recours à Patrick, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je sors tout juste de la préparation. J'ai tendance à comparer l'écriture à la cuisine. Mon gâteau, il est encore chaud, il n'est pas prêt à être démoulé. Et là, on est déjà en train de me dire qu'il n'est pas assez moelleux, qu'il n'est pas assez cuit, qu'il est. Enfin, ça peut être difficile de prendre des remarques après tout ce travail qu'on a fait pour avoir le meilleur texte possible. L'expérience m'a montré que c'est quand même nécessaire. On n'est pas juge de son travail, on n'a pas suffisamment de recul pour juger de son travail de manière valable. Donc, je vous montre rapidement les commentaires. Je vous les remontrerai parce que pour ce texte-là, j'avais pris le temps de répondre aux commentaires par des commentaires, parce que je ne fais pas nécessairement, ça peut se faire en direct. Mais ça va être des commentaires du genre cette expression est cliché. Alors moi, ça me vexe hein, quand on me dit que cette expression est cliché, mais. Et c'est vrai. Ou cette expression est malheureuse. Bon, ben voilà. Mais ce sont des commentaires qui aident à avancer. Je ne prends pas en compte toutes les suggestions. Mais avoir des remarques sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Avoir des réflexions sur les choix que j'ai pu faire, ça m'oblige à justifier certaines choses. Ça m'oblige à me poser des questions, même si j'ai tout passé au tamis. Un certain nombre de fois, il y a des choix qui ne s'imposent pas en réalité. Donc ici, quand même 13 commentaires pour un texte pas mal travaillé. Et de temps en temps, des suggestions. Alors en général, quand j'ai une suggestion, parfois deux, trois suggestions, je m'arrange pour que ma solution soit autre chose. Parce que moi, j'ai besoin de savoir quel est le problème. Et j'estime que c'est mon travail d'autrice de trouver les solutions par rapport aux problèmes qui vont être vus par mon lecteur professionnel. Donc une fois que j'ai reçu ces remarques, puis j'ai un peu râlé en me disant quand même, j'ai déjà beaucoup travaillé, quelqu'un arrive tout neuf avec son regard et me fait des remarques, donc il y a quand même la petite phase où on n'est pas très content. Et après, on s'y met. Donc je les prends une par une, j'accepte, je refuse, je justifie, je négocie, et ça ressemble à ça. Donc les commentaires. Donc ici sur les lunettes, bon j'ai pas essayé de discuter. Effectivement, c'était un peu facile de dire je descends mes lunettes sur mon nez. Eh bien. Je vais aller dans des termes plus techniques. Je polarise mes lunettes. Comme ça, elles arrivent, elles sont là de manière plus directe et de manière plus percutante.
Alors, expression malheureuse, ici, on va discuter. Ça n'a l'air de rien. J'espère n'avoir à croiser personne. Mon lecteur me propose, j'espère que je ne croiserai personne. Vous vous souvenez qu'on a lu le texte à haute voix? Vous vous souvenez qu'on l'a vu un certain nombre de fois et que cette expression est restée? Quand je vois cette remarque, je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas changer, ça n'est pas la même chose. Bon, là, ça vous démontre à quel point je peux être maniaque. Hein. Pour moi, ça ne dit pas la même chose. J'espère que je ne croiserai personne et j'espère n'avoir à croiser personne. La question, je ne me l'étais pas posée, mais le fait d'avoir la remarque, ça m'oblige à exprimer que j'ai besoin de ce sentiment d'obligation. J'ai besoin que ça soit quelque chose, une force extérieure et que ça soit quelque chose qui s'impose au personnage. C'est des nuances comme ça sur lesquelles je vais chipoter, mais à la fin, je saurai que j'ai fait le maximum pour mon texte. Voilà. Ici, je négocie, plate comme un jour sans poème et aimable comme une porte blindée. Aimable comme une porte blindée, ça peut paraître cliché, mais le vrai cliché, c'est une porte de prison. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, j'ai négocié, je l'ai gardé. Je n'ai pas fait cette modification. Il y a des choses pour lesquelles j'ai cédé avec un peu plus de difficulté. Là, c'était normal. C'est vraiment la possibilité d'avoir un focus sur quelque chose qui ne fonctionne pas, que je n'avais pas vu parce que j'ai eu une façon bizarre de parler aussi. Donc voilà. Ici, un autre exemple très intéressant, dormir sur une seule oreille. Expression toute faite, expression cliché qui dit exactement ce que je veux dire. Du fait d'avoir eu une remarque sur cette expression, je suis allée sur un terme beaucoup plus précis. Et en un mot, j'arrive à exprimer ce qui était dit en une phrase complète. Voilà. Donc ça, cette étape-là, qui peut être cruelle, qui peut nous faire un peu régimber, pour moi, c'est quelque chose d'important qui me fait gagner beaucoup de temps. Cette sévérité que j'ai en 2006, enfin sur le texte de 2006, quand je le reprends, c'est le même niveau ici. C'est le même niveau, sauf que pour que j'arrive personnellement à avoir suffisamment de recul pour charcuter mon texte, il faut du temps. Là, je vous rappelle que j'ai très peu de temps. Alors, à quel moment interviennent les versions? Je vais vous le dire. La version finale de l'autrice, 27 décembre. 27 décembre, un texte qui fait 20 593 signes. Et les annotations de mon lecteur pro interviennent le 7 janvier. Donc, 7 janvier, on est au bord de la deadline. En général, j'évite, j'ai très très peur des deadlines, il y a dead dedans, donc ça me tue. J'essaie d'avoir quelques jours d'avance en imaginant le pire, parce que j'imagine le pire, ma maison brûle, j'ai pas internet au moment où je veux envoyer, enfin, j'ai besoin de cette sécurité-là. Là, je suis vraiment tout au bord. Donc, le commentaire de la notation se fait le même jour. Et enfin, arrive le moment où bah, le travail est fait. C'est aussi le moment où arrivent les doutes. Je ne me fais pas trop d'illusions sur mon espèce d'hyperactivité à travailler et retravailler le texte parce que pendant que je fais, je ne me pose pas de questions. Je fais quelque chose que je sais faire, je fais quelque chose dont je sais à quoi ça sert et je n'ai pas de questionnement. Là, le texte est terminé, il faut le rendre. Et les doutes arrivent. Non, mais attends, est-ce que ça vaut 800 euros? Ça veut dire quoi? Valoir 800 euros? Est-ce que ça va leur plaire? Ils ne me connaissent pas, je ne sais pas ce qu'ils imaginaient. Ils vont avoir ce texte, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Est-ce que ce texte était pas mieux dans la poubelle? Enfin, des questions assez affreuses. Et donc arrive ce moment horrible où on fait le mail. Donc je prends toujours une posture un peu professionnelle pour faire un mail assez sec en disant, voilà, veuillez trouver en pièce jointe, bonne réception, etc. Mais pendant ce temps, je suis liquéfiée, complètement terrorisée.
Et au moment d'appuyer sur envoi, bah c'est juste l'horreur. Donc j'avais promis d'envoyer mon texte avant le 9 janvier. Nous sommes le 8 janvier à 23h10. Quand enfin, nous sommes sur une version finale qui peut être envoyée. Et tout le travail derrière, c'est de ne pas y penser, de ne pas se demander. L'ont-ils ouvert? L'ont-ils lu? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ça fait déjà un jour, personne ne m'a répondu. Mais voilà, c'est des moments, c'est à chaque fois pareil. Donc finalement, à force de se jeter à l'eau, on apprend à nager. Donc on y va et c'est pas grave. Alors le texte a été accueilli avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. À cette étape-là, quand j'ai affaire à un commanditaire qui est éditeur, il y a encore une étape de travail parce que c'est un nouveau regard qui va travailler sur le texte et que ben, généralement, il y a quand même des petites choses à revoir. Ne serait-ce que la correction orthographique qui est proposée par les services de l'éditeur. Et puis, parfois, voilà, des questions nouvelles qui vont se poser. Là, ce sont des personnes qui, dans une école d'art, qui ne sont pas spécialement éditeurs, donc il y a eu très très peu de corrections. Pour tout vous dire, j'avais une mise en forme de référence qui n'était pas, qui a été corrigée, et un point qui était à l'extérieur des guillemets alors qu'il aurait dû être à l'intérieur. Bon, ça prouve que ça a quand même été lu, mais il n'y avait pas grand-chose parce que j'avais déjà fait appel à un professionnel et que le texte était le plus propre possible. Ce qui m'arrange parce que c'est pas facile de travailler ces textes avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Ce n'est pas facile de voir parfois de la bienveillance sur des remarques qui peuvent être faites de manière un peu brutale. Donc c'est aussi pour ça que je préfère me faire fouetter par quelqu'un que je connais déjà plutôt que voilà, de livrer quelque chose qui a encore besoin de travail. Mais c'est voilà, c'est particulier. En général, il y a aussi du travail avec la correction et aussi du travail avec l'éditeur. Pour ce texte-ci, vous vous souvenez qu'il y avait une clause de traduction. Donc j'ai reçu très vite la traduction. Texte rendu le 8, traduction arrivée le 11 par une personne qui parle anglais et qui avait l'habitude de traduire des textes pour cette revue. Donc voilà, très, très émouvant de découvrir la traduction si tôt. Très émouvant de retrouver l'ambiance de son texte dans une autre langue. Alors c'est de l'anglais, c'était quand même plus simple pour moi de lire que si ça avait été du turc, par exemple. Mais voilà, donc cette étape de la traduction qui intervient comme prévu. Et enfin, enfin, le texte existe dans une revue. J'en ai un exemplaire ici. Je vais vous l'afficher également comme ça, voilà. C'est une revue d'art, donc là, il y a lui un parti pris assez osé, puisque la revue n'a pas de couverture, voilà. Mais voilà, le texte est là, il existe, il est dans la revue, il est corrigé, il est travaillé, voilà. Alors, les étapes qui suivent ne font pas à proprement parler partie de la création, mais j'ai envie d'en parler quand même, parce qu'en général, le texte, il est livré, a priori, il faut le payer, et à cette occasion-là, j'ai pas mal défriché tout ce qui est rémunération des auteurs, parce que quand on est membre l'AGESA et pas forcément affilié, alors c'est fini, affilié, assujetti, mais à l'époque c'était encore le cas. Les gens ne comprennent pas comment payer des auteurs. Voilà, c'est étrange, on ne sait pas comment payer des auteurs. Quand je fais une note de droit d'auteur,
Il faut que j'explique que ça vaut facture. Il faut, voilà, faut tout expliquer et faire de la pédagogie pour les gens qui veulent bien les textes, mais pour payer, c'est plus compliqué. Donc, ça a mis beaucoup de temps, mais finalement, ce texte a été rémunéré. C'est une expérience, alors, qui a fait plaisir à mon banquier, c'est sûr, mais qui m'a aussi permis de continuer à avancer sur la façon dont on considère notre travail. Je sais que je travaille, je vous ai montré là toutes les étapes, il n'y en a pas autant d'habitude, mais on a tendance à dévaloriser ce qu'on fait parce qu'on s'est retrouvé face à des gens qui nous dévalorisent pour tout un tas de raisons. Et faire un texte, c'est super facile, ça te fera de l'exposition, ça te fera de la visibilité. Ça te fera plaisir que ton texte existe, oui, tout ça. Mais c'est aussi du travail. Et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de dire aux personnes dans mes ateliers, notamment les petits, que c'est du travail, que c'est un travail et qu'au moment de parler argent, ben, voilà, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi. Et c'est devenu une incitation aussi à être plus professionnel. C'est-à-dire que je ne vais pas non plus rendre n'importe quoi parce que je me professionnalise. Donc, en conclusion, il n'y a pas vraiment de conclusion. J'ai parlé de la rémunération des auteurs, qui est un thème qui a aussi à voir avec le statut social qu'on peut avoir. Mais voilà, cette idée du travail, ce n'est pas sale de travailler, c'est pas, on n'est pas, on n'a pas moins de talent. Si on s'est mis à travailler, à retravailler, à refaire et à refaire. Alors attention quand même à ne pas aseptiser son texte. Je pense que je suis suffisamment folle pour être un peu épargnée par ce risque. Quand je relis, je n'ai pas un modèle en tête en disant il faut absolument que ça ressemble à ci, que ça ressemble à ça, il faut absolument que j'enlève les verbes être, ça fait partie des choses qui sont souvent demandées aux personnes. Je pense que j'ai suffisamment travaillé et suffisamment laissé aller mes textes, notamment avec la poésie, pour éviter cet écueil de faire un texte trop propre. À la fin, il n'est pas si propre. À la fin, on a des mots qui ne sont pas exactement ceux qu'on attendait. On a des surprises, on a des expressions un petit peu particulières. Parce que je suis comme ça, mais je l'ai perçu ce risque d'avoir un modèle tout fait, de se dire, bah, comme à l'école, il ne faut pas utiliser telles expressions, il ne faut pas utiliser des mots qui n'existent pas, etc. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, si je devais donner des conseils à des personnes qui veulent écrire, même si vous partez dans des étapes comme ça, à en faire, à refaire, n'oubliez pas votre grain de folie. Et n'oubliez pas ce qui fait que vous êtes vous. Il n'y a pas de lecture, il n'y a pas d'écriture neutre, il n'y a pas d'écriture aseptisée, il n'y a pas d'écriture parfaite. On écrit avec ce qu'on est, et si on reste connecté à ce qu'on est, on va avoir quelque chose de vivant, même si on travaille et retravaille, même si on a des lectures extérieures. Donc voilà, j'en ai fini. Je crois que j'ai parlé beaucoup trop vite. Et que j'ai fait ma présentation de manière un peu rapide, mais je peux répondre à des questions s'il y en a. J'attends de voir si on m'en pose. Ou sinon, je peux vous raconter d'autres choses si vous voulez. Mais voilà, pour ce qui est de ma présentation, le tour est fait. Ah ben non, c'est pas beaucoup trop tôt. Alors, je regarde si j'ai des questions. Ah, des remarques. Alors, une remarque sur un exemple, mais je ne sais pas de quel exemple il s'agit. Donc voilà. Et des compliments, ben merci. Il y a eu des problèmes d'affichage quelque part. Vous voulez que je remontre des choses? Ah, une question sur les contrats. Alors,
pour les nouvelles, donc l'usage dans le milieu d'édition, pour les nouvelles, c'est assez rare qu'il y ait des contrats. Mais là, sur ce cas précis, j'ai utilisé les services de toujours Patrick, hein, qui finalement fait un peu un rôle d'agent et d'aide sur la partie administrative. Là, j'aurais vraiment pas eu le temps de m'occuper de proposer un contrat. Donc, j'ai eu cette commande et j'ai aussi eu un contrat d'édition que nous avons fait, que Patrick a proposé, parce que la structure n'avait pas l'habitude de travailler comme ça. Et donc avec des clauses tout à fait avantageuses. Comme en plus, ils ne connaissaient pas les usages. Voilà, par exemple, je me suis retrouvée avec 10 exemplaires de la revue, cette rémunération de 800 euros et en cédant pas grand-chose comme droit pour cette publication-là. Les publications autres, comme par exemple, aussi Galaxy fait un contrat maintenant. À un moment, enfin, j'ai publié pas mal de nouvelles chez Galaxy. Alors Galaxy, c'est pas 800 euros, c'est 50. Hein. L'unité de mesure que je traduis en clopinette. Donc la clopinette est à 50 euros. Ce qui est mieux que de ne pas être payé du tout, c'est sûr. Et maintenant, il y a des contrats. Il y a des contrats. Alors je peux remontrer les carnets, effectivement. Pour les gens qui me connaissent, je vous montrerai en vrai. Mais alors, les carnets, où sont les carnets? Alors, des textes qui n'arrivent pas à aboutir, me demande Stig. Ben oui, mais typiquement, ce texte-là, c'était un texte qui n'arrivait pas à aboutir, que j'ai repris 13 ans après. Donc, tout travail finit par servir, sauf si c'est vraiment pourri. Mais alors j'ai ma corbeille dans mon ordinateur, mais j'ai aussi un dossier placard. Parce que parfois, certains textes, on sent que c'est juste pas le moment. Soit on n'a pas la technique pour le faire ce qu'on a envie de faire, soit on n'est pas dans le bon état d'esprit pour le faire. Mais voilà, ça. Jamais. Enfin, pour moi, jamais ça n'existe pas. Ça me transforme un peu en archiviste, mais jamais, non. Jamais n'existe pas. Et comme j'ai montré, hein, un bout de texte qui a été enlevé de ma fiction radio, on finit par avoir l'œil pour se dire, mais ça vaut quand même quelque chose. Ça ne va pas dans ce texte-là, mais ça vaut quand même quelque chose. Et un jour, je l'utiliserai. Donc, à ma mort, j'aurais peut-être pas tout utilisé, mais je suis très recyclage dans la vie de tous les jours. Donc ça marche aussi. Je regarde juste. Oui, alors les carnets. Donc ici, donc le fameux carnet là, que je vous ai montré. Pour le texte sur la santé. Et vous voyez, même sur le carnet, il y a déjà des corrections. Enfin, je dois être une malade de la correction en réalité, quoi. Donc, personne n'a été en mesure de me fournir mes gélules. Et c'est ça l'idée du texte. Et donc, après les carnets, il y avait la feuille A4. Alors, ça peut faire étrange. Je sais que ça a surpris pas mal d'amis, parce que, y compris les textes longs, sont travaillés de cette manière. J'ai un paquet comme ça pour les confessions d'une séancière. Alors, comme ce sont des parties différentes, il va y avoir des feuilles jaunes, des feuilles bleues, des feuilles oranges, des feuilles roses, des feuilles blanches, enfin bref. Et tout est écrit au stylo plume avec de l'encre, des cartouches d'encre, comme à l'école. Et puis ça, bon ben, pendant qu'on le fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est étrange, mais voilà, ce sont les calculs préliminaires pour l'histoire des 6 faces d'un même cube. Et voilà. Alors, le texte sur la santé, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce texte-là. Alors, pas ce que je viens de montrer, mais
Le tout premier dans le carnet. Voilà. Et il y a plein d'indices. Alors moi, je les vois, mais il y a plein d'indices de choses qui sont censées surprendre dans le texte et qui sont sur le carnet. Donc je vais arrêter de, de tout montrer. Mais voilà, j'ai des débuts comme ça. Et moi aussi, ça me touche. De voir le début. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, créer des inachevés dans le placard. Alors, des placards, j'en ai plein en plus. J'ai des niveaux de placard. J'ai un à revoir et j'ai aussi du placard. Test de personnalité, oui, tu as reconnu les textes, les tests de personnalité. Bon, je suis en psychologie, donc je suis psychologue clinicienne. C'est toujours intéressant pour moi de prendre des savoirs d'un autre domaine pour pouvoir les utiliser. Et là, c'était vraiment un défi. Alors, ce texte-là dont je parle, les 6 faces d'un même cube, c'est une idée de texte que j'ai depuis très très longtemps. Il y a un type de personnage que j'ai envie d'écrire depuis très très longtemps, et jusque-là, je n'avais pas les moyens techniques de le faire. Comment écrire? Alors, je ne vais pas vous en dire plus. Le texte, il est libre d'accès. Il est sur ma page, donc mis en ligne depuis hier. Mais je suis très contente d'avoir réussi à faire vivre un type de personnage que j'imaginais depuis longtemps et je n'avais pas les moyens techniques de le faire. Et je crois que c'est bon. Donc oui, Célia, ce sont des personnalités différentes. Les 6 faces d'un même cube, j'avais besoin d'avoir des modélisations de personnalité. Je fais rarement ça pour un texte. En général, le personnage, il s'impose de lui-même, y compris son nom. Pourquoi il s'appelle comme ci, pourquoi il s'appelle comme ça, je n'en sais rien. Je reste en contact avec mon inconscient qui, lui, doit savoir. Mais c'est rare que je travaille mes personnages. Je ne fais pas de fiches, je ne fais pas de plans, je fais enfin, voilà, rien de tout ça. Ça doit se faire quelque part en arrière-plan. Je suis quelqu'un d'assez structuré malgré tout. Mais là, j'ai eu besoin de construire. Ah, bah écoutez, si je fais des choses qui ressemblent à ce que fait Jeff Noon, ça me va. Ça me va. C'est quelqu'un qui, effectivement, va avoir un travail qui va paraître très, très construit, mais on sent la folie derrière, quoi. Voilà. Là, ce que je vous ai présenté, c'est la façon de travailler sur une nouvelle. Ça ne change pas beaucoup pour des textes plus longs parce que je suis incapable d'écrire des textes plus longs directement. Donc, mes textes longs sont très, très souvent des assemblages de textes courts. Autant j'ai du mal à me lancer dans quelque chose d'énorme, autant assembler des petits morceaux et faire des mosaïques. C'est ma façon de travailler. Je me suis rendu compte que j'arrivais à avoir suffisamment de recul pour articuler les choses. Alors, au final, au bout du compte, ça peut être quelque chose de long, mais voilà, c'est ma façon de travailler. J'ai arrêté d'essayer de faire comme on me dit de faire. J'ai arrêté de suivre des conseils, qui se veulent généraux par rapport à l'écriture. Je crois que j'ai trouvé ma manière de faire et régulièrement, je cherche des défis nouveaux. Comme cette idée d'avoir des personnages un peu compliqués à décrire ou des situations qui me sont très très claires dans mon cerveau mais que je n'arrive pas à rendre. Encore une petite remarque qui peut étonner. Donc souvent on me demande si je vois les scènes se dérouler, si je vois mes personnages, etc. En fait, je ne les vois pas. Je travaille avec des concepts. Beaucoup plus qu'avec des personnages. Donc, je peux écrire une histoire entière sans savoir à quoi ressemble mon personnage. Parfois, je vais avoir besoin d'un élément pour l'histoire, donc je vais le rajouter. Mais je suis pas du tout visuelle. J'ai pas de film. J'ai pas de film qui se déroule. Voilà, c'est plutôt les concepts. Et la plupart de mes textes, c'est quand même explorer un concept. Là, sur Ombre, c'était un type de société nouveau, la relation homme-femme, les types de gouvernement, voilà, des choses comme ça, qui vont s'incarner dans des personnages, mais ils ne me parlent pas, je ne leur parle pas trop non plus, et parfois je ne sais pas du tout à quoi ils ressemblent. Je connais leur personnalité, mais pas forcément leur visage.
et pas forcément voilà, des éléments qu'on va retrouver sur des fiches personnages pour les gens qui en font. J'en fais pas du tout. Des post-it de couleur. Alors, moi, très peu, en fait. Sauf peut-être pour des petites notes. C'est trop petit. J'ai besoin d'espace. Mais si les post-it de couleur te vont bien, do it. Parfait. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, je vais finir sur des remerciements. Donc, j'en ai fait au premier faux départ. Donc, je ne sais pas si c'est passé, mais je voudrais vraiment, vraiment remercier toute l'équipe de Miss Fiction. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de tester un type d'atelier d'écriture que je n'avais jamais testé. Des années précédentes, j'ai participé à des tables rondes. Là, je fais cette conférence qui est quelque chose de très nouveau pour moi. Et le côté expérimental du festival encourage à expérimenter soi-même. Et voilà, je suis contente d'avoir pu proposer ça et je suis ravie que le festival ait eu lieu malgré le confinement. Et pour finir, un petit conseil pour les personnes qui écrivent et qui ont un petit peu de mal à savoir comment faire, mon seul conseil, ça sera écrivez. Voilà, écrivez, finissez des choses. Ça sera pas parfait. Ça n'est pas parfait du premier coup. Ça sera peut-être très, très, très mauvais. Acceptez que ça soit très, très mauvais, mais écrivez. Enfin, on ne peut pas rester là à se demander comment y aller, comment faire, comment continuer. Écrivez, 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 écrivez. Et si ce que vous avez fait ben, aboutit 13 ans après, ben, ça sera 13 ans après. Mais si vous avez envie d'écrire, ça serait vraiment dommage de se priver pour tout un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec l'art. Donc, écrivez. Et je vous dis à demain, 11h30, pour une table ronde sur l'écriture de nouvelles. Il est possible que je me répète, mais c'est pas sûr. Ça dépendra des questions qui me seront posées. Donc d'ici là, au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.